celui ou celle qui s'impose repartira avec le totem et sera intouchable au dernier conseil. Ça veut dire quoi d'être intouchable au dernier conseil éliminatoire? Eh bien, ça veut dire que le gagnant, quoi qu'il arrive, est finaliste de Koh-Lanta. Le gagnant participera à l'épreuve d'orientation. Mais pourquoi je vous parle de cette épreuve en particulier? Parce que certes, il est capital de gagner pour assurer ses arrières, mais il est aussi capital de ne pas perdre. Ils sont encore 7 en compétition. Malheureusement, aujourd'hui, celui qui terminera dernier de l'épreuve des dominos sera immédiatement éliminé, ici, sur l'aire de jeu, sans même repasser par le campement. C'est une épreuve beaucoup plus cérébrale que physique, regardez. Ils auront la responsabilité de placer sur une poutre de 3 cm d'épaisseur 30 dominos, un par un, en passant par un quadrillage. Et voyez, tout bouge. Le problème, c'est d'être capable de garder son calme. Le gagnant est finaliste, le perdant est définitivement éliminé.